Waouh! Je crois qu'on a trouvé notre mouton numéro 2. C'est pas vraiment ce que nous recherchons. Désolé. Simon. Simon, oui. Belle performance malgré tout. Hé, les copains, le roi Pigalotte va venir voir le spectacle. Pour de vrai? Quand? Tout de suite. Je suis arrivé. À présent, divertissez-moi. Eddie, c'est à toi. Bienvenue, animaux de la ferme. Et, votre royale cochonnerie. Eh bien, merci. Au début de l'histoire, Sophie Bopip a perdu ses moutons. Je suis si inquiète, je ne fais plus la sieste. Où êtes-vous, mes moutons? J'en suis si affectée. J'en suis si affectée. Que je pourrais... Vous pourriez danser, jongler, faire le poirier. J'adore le suspense. Que je pourrais... Qu'il faudrait... Que j'aille chercher mon mouton. C'est pas ça ta réplique. Je crois que Simon s'est enfui parce que... Je l'ai peut-être vexé. Comment? Pardon, entr'acte. J'ai dit à Simon qu'il ne pouvait pas être dans la pièce parce que... Il ne chante pas très bien. Je dois aller m'excuser auprès de lui. Continue le spectacle pendant mon absence. Mais je peux pas! Sophie Bopip a perdu son mouton. Et elle part à sa recherche. Oh, je ne m'attendais pas à cela. Très bien, c'est très bien. Et que se passera-t-il ensuite? Ensuite? Bon, oui. Je sais. Vous voulez quelques blagues? Pourquoi un coq regarde-t-il la télé? Personne? Pour voir des publicités! Les publicités! Vous avez compris? Oh, c'était censé être drôle. Oh mince, je suis dans le pétrin. Simon! Mon Simon! Où es-tu, mon mouton? Réponds-moi, Simon. C'est Sophie Bopip. Simon, je suis désolée si je t'ai vexée. Je suis désolée. Par pitié, me parleras-tu, mon cher petit agneau? Tous les autres moutons chantent super bien. Je voulais juste pouvoir chanter avec eux. Mais tout ce que je sais faire, c'est... Je comprends. Je sais. C'est dur de ne pas faire partie du spectacle. Tu devrais y retourner. Le roi t'attend. C'est toi qui as le rôle principal. Eddie a la situation bien en main.